Alors, je suis maintenant accompagné d'Antoine Pruneau, demi-défensif pour les Carabins de l'Université de Montréal. Antoine, gros match de l'unité défensive, 38-0, donc 0 points accordés contre relativement une bonne offensive, les Seigneurs de Concordia. Ça a été quoi la clé aujourd'hui pour votre unité? Premièrement, je tiens à dire que c'est sûr qu'il leur manque des gros éléments, le receveur Bastien. Mais en même temps, la clé, nous autres, c'est chaque semaine, plus en plus d'efforts. On regarde beaucoup certaines statistiques sur lesquelles on travaille, puis qu'on veut éliminer, manquer moins de plaqués, puis c'est des choses qu'on travaille à chaque jour, faire des turnovers. Puis je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on a été capable d'aller mettre 6 points aussi. Nicolas Gauthier, une belle interception. Tu parles justement de faire des turnovers. Tu as ta première interception de la saison, enfin. Écoute, la pression était forte sur ce jeu-là. Finalement, être derrière toi, comment tu te sens? Ah, écoute, un soulagement, là. En plus, en fin de semaine, cette semaine, j'ai fait mon première interception depuis longtemps en pratique. J'ai dit, j'ai brisé le curse. Ah, cette semaine, je vais en faire une. C'était une interception chanceuse un peu, mais c'est le résultat de plein de petites choses, des jams. Puis je suis content qu'elle me soit tombée dans les mains enfin, puis je pense qu'il va en avoir d'autres. Écoute, on s'est vu au East West au printemps. T'approches évidemment la saison avec beaucoup de confiance. T'as eu un gros été. On est à la mi-saison, vous êtes 5-0 en tant qu'équipe. Personnellement, est-ce que tu es satisfait de ta saison jusqu'à présent? Je suis content de ma saison, satisfait, pas encore à 100%. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux travailler, mais on se rapproche du but. Là. Good job. Alors, c'était Antoine Pruneau. Je suis Jean-Philippe Choiré pour Acrofoot Télé. Antoine, félicitations. Merci. Bonne saison. Merci.